Bonjour. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à fabriquer un poster pas très ordinaire. Pour cela, il te faut un dessin que tu veux agrandir. Deux feuilles qui te serviront de base au dos de ton poster. Un crayon, une règle graduée, une paire de ciseaux, de la colle et du scotch. Du scotch parce que comme ton dessin va être agrandi, il faudra que tu assembles les deux feuilles qui te serviront de base. Voilà. Alors, première étape, tu prends ton dessin et au dos de ce dessin, avec la règle, sur chaque largeur, tu traces des petits traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Comme ta feuille mesure 21 cm, il faudrait que tu traces 20 petits traits, d'un côté comme de l'autre. Voilà ce que ça donne. Tu vois, d'un côté et de l'autre côté. Alors cela, tu les fais au dos de ton dessin et au dos de tes deux feuilles de base. Ensuite, tu reprends ton dessin et tu réunis les petits traits de façon à faire des bandes de 1 cm de large. Voilà. Cela, tu le fais sur toute ta feuille. J'ai préparé plusieurs feuilles pour que la vidéo soit moins longue. Voilà. Et je ne sais pas si tu vois, mais j'ai numéroté chaque bande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'ordre de 1 à 21. Très important de numéroter les bandes. Une fois que les bandes sont prêtes, je les découpe. Voilà. Et tu comprends maintenant pourquoi quand tu as 21 bandes de découpées, tu n'arrives plus à te retrouver où est la première, où est la deuxième. Une fois ces bandes découpées, tu prends tes feuilles de base et la bande numéro 1, tu la colles sur le bord de la feuille. Tu regardes bien de quel côté est le chiffre. La bande numéro 2, tu mets le chiffre du même côté et tu la colles aussi, mais en laissant un espace. Bande numéro 3, pareil. Alors, pour reconnaître les espaces, c'est tes petits traits qui te serviront de guide. Vois-tu? Voilà, entre deux petits traits là. Alors, la bande numéro 4, même chose. On regarde où est le numéro 4. D'accord. On colle le dos de la bande. On colle le dos de la bande bien entre les deux. Voilà. 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 Sur la première feuille, tu arriveras à mettre, je crois, première feuille, tu dois mettre 10 bandes. Et les 11 suivantes, tu les mettras sur la deuxième feuille. Voilà. Alors moi, j'avais déjà travaillé sur d'autres images pour
pour te montrer ce que ça donne. Voilà, j'avais travaillé sur cette image. Et le poster que j'en ai retiré, il est où le poster? Le poster, il est... Ah, il est là. Voilà le poster. Le poster que j'ai réussi à en retirer. Voilà. Mais je t'ai... Nous, on a travaillé sur la largeur, mais tu peux aussi travailler sur la longueur. C'est ce que j'avais fait avec cette image-là. Et dans ce cas-là, voilà ce que tu obtiens. Si tu travailles sur la largeur, voilà ce que tu obtiens. Si tu travailles sur la hauteur, voilà ce que tu obtiens. À partir de la même image.